Je ne sais pas si vous avez déjà vu la cotation des cartes de hockey de collection quand vous achetez des cartes de collection. Puis vous achetez une carte qui est 10, qui est cotée 10 ou qui est cotée 9,5. La différence de prix entre 9,5 puis 10 là, est pas le double de la valeur. Là. C'est 10 fois ou 100 fois la valeur de la carte, juste de passer de 9,5 à 10. Pourquoi je dis ça? C'est par rapport à quand vous faites une rénovation de votre maison. Si vous rénovez une maison puis vous coupez, vous tournez un peu les coins parce que vous n'avez pas le temps, parce que... Bien, faites pour les rénovations. Faites seulement les rénovations que vous savez que vous pouvez bien les faire, que les gens n'ont pas besoin de repasser dessus ou se dire « ça me va, mais c'est pas parfait ». C'est exactement ça. C'est comme si vous avez une carte de hockey, mais à côté 7 ou 8, même 9, c'est bon. Mais assurez-vous d'avoir une carte de hockey 10. Assurez-vous d'avoir une maison 10 et pas 9,5. Parce que la valeur va pas être... T'sais, le temps que vous allez investir va être décuplé énormément, en fait, plus que vous pensez. Fait que ce que je tiens à vous dire, c'est que si vous avez à faire des rénovations de la maison et que vous pensez que cette... Mettons que vous avez 30 000 $, vous voulez faire la chambre de bain, la cuisine, puis les planchers. Bien, moi, je vous dirais, si vous n'êtes pas sûr de faire ça parfaitement en faisant les trois avec le 30 000 $, bien, faites seulement un. Faites seulement la cuisine à 30 000 $, que vous allez être fier de cette cuisine-là, qu'elle va être impeccable. Que de faire les trous à moitié.